Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson Quand revient la nuit, dont vous en trouverez, comme d'habitude, quelques détails dans la description. Ah, il s'agit bien entendu d'une adaptation en français de la version originale anglo-saxonne, Mr. Lonely, que vous trouverez bien sûr sur ma chaîne, comme ça vous pourrez comparer. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais joué un tout légèrement plus vite en français, je sais pas tellement pourquoi, mais enfin, tout ça, ça n'a pas d'importance parce que vous la ralentissez, vous l'accélérez à votre guise, bien entendu. Alors, la difficulté de la chose, c'est qu'on va chanter de temps en temps en voix de poitrine, la plupart du temps, en voix de gorge. Et puis de temps en temps pour faire les Rebecca ah, et Ré dièse, ah, puisqu'on va monter d'un demi-ton, eh bien on va le faire avec une voix de tête bien entendu. Alors, donc je vous ai pas encore dit que j'avais modifié la tonalité originale de Bobby Vinton qui lui chante en mi, figurez-vous. Voilà, il chante en mi, c'est-à-dire que c'est extrêmement haut, c'est totalement impossible. Johnny, lui, en français, chante en ré. En mi, non pas smooth, mais en ré, même pour lui, c'est extrêmement haut. D'ailleurs, on va le voir, il fait moins de fioritures, justement, en voix de tête, parce qu'il est à bout. Voilà, il est vraiment à bout de voix. Donc, il eût été peut-être préférable qu'il prenne un demi-ton de moins, au moins un demi-ton de moins. Voilà, il aurait été quand même plus à l'aise. Mais c'est ça, les performeurs. Bien, alors, néanmoins, naturellement, bien sûr, une fois que vous aurez saisi les harmonies que je vais vous montrer, si vous disposez d'un piano numérique, eh bien, n'hésitez pas à faire usage de votre transpose ou transposition, hein, selon le modèle que vous avez, pour ajuster votre voix précisément dans la tonalité qui peut vous convenir, si celle-ci, elle ne vous convient pas. C'est peut-être digital sur votre piano, là, ici, c'est un modèle très simple, donc vous voyez ici, repère vert du milieu, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons. Pour descendre le clavier par demi-ton plus grave, et bien entendu, à partir de ce repère vert qui est neutre, pour aller jusqu'à l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons, une simple petite manipulation, bien vous montez si ce n'est pas encore assez haut pour vous, bien entendu, voilà, car personne n'a la même voix, bien sûr. Alors, donc c'est surtout très pratique, et vous voyez, ils sont faits pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Si vous ne savez pas comment faire, ben votre manuel ouvre-l'œil, il saura vous dire comment faire, mais c'est toujours très simple. Et voilà, toujours très utile. Naturellement aussi, comme d'habitude sur ma chaîne, trouvez dans une autre vidéo sous le titre Guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale de la chose. Alors, l'introduction, on va commencer. Donc, on a dit qu'on jouait en sol. Donc, il va en sol et on montera donc la gamme de sol. Je parle toujours en degrés et bien sûr dans la gamme naturelle, sinon je vous l'indique. Pour rejoindre sol à sol, en degré 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, octave. J'ai dit majeur 7e. Je vous délivre toujours l'astuce pour reconnaître la majeure 7e de la 7e. Un demi-ton en dessous de la fondamentale, vous trouverez toujours la majeure 7e. Et un demi-ton en dessous, vous trouverez toujours la 7e. Sol 7e, par exemple. 1, 3, 5, fondamentale, tierce majeure, quinte. Elle peut être mineure, hein, ça n'a pas d'importance. Et la 7e. Pourquoi? Parce qu'à partir de la quinte, qui elle est toujours juste, eh bien, regardez bien, 1, 2, 3 demi-tons au-dessus. Eh bien, c'est une tierce mineure dominante, donc une septième. Donc mineur, voilà, mineur, que ce soit pour un sol septième ou un sol mineur septième, donc une septième dominante. Et 1, 2, 3, 4, un demi-ton au-dessus, donc un demi-ton en dessous de la fondamentale, eh bien, c'est une tierce majeure, voilà. Donc sol mineur majeur septième, ou alors sol mineur septième, voilà. Ou alors ré mineur majeur septième. Ré mineur septième, par exemple, sol, pardon, qu'est-ce que je raconterais? Pourquoi je dirais? Oh là là. Alors, bref, évidemment, ce ne serait pas une astuce si ça ne fonctionnait pas dans toutes les tonalités, bien entendu. Bien, alors, passons à l'action. Donc, maintenant qu'on sait ça, parce que vous allez voir, on va tout de suite en avoir besoin de cette histoire de majeur septième. Donc, notre introduction. On va jouer, donc j'ai pas de grande main, mais si vous pouvez doubler la basse, donc vous jouez la fondamentale deux fois, c'est-à-dire le sol, hein. Donc on est bien d'accord qu'on est dans la gamme de sol, n'est-ce pas? Donc ça va être une gamme très simple. Et on montera sur la bémol, gamme un peu moins simple, mais de toute façon, regardez bien, si j'avais opté par exemple pour do, c'était possible, j'ai regardé. En do, ça se passe très bien, mais regardez, on monte d'un demi-ton. On se retrouve avec quoi? Avec un do dièse. Le do est cerné par deux tonalités difficiles, comme le si. Voyez, avec cinq altérations. Et idem pour le do dièse. Voyez?
la deuxième partie de la chanson, c'eût été beaucoup trop difficile. Donc je préfère alterner avec Sol et La bémol. Ou Sol. Ce sera beaucoup plus facile, on n'a qu'une altération. Voilà. Donc on va tout de suite passer à l'action. Notre introduction. Donc on va prendre un Sol renversé. C'est-à-dire la triade, triade, trois notes, deux notes en intervalle, trois notes, triade, tout simplement. Donc fondamentale, tierce majeure, quinte. Hop, je renverse la fondamentale. Alors c'est très courant, hein, on peut tout renverser hein, dans l'accompagnement, hein, bien sûr. C'est fait pour ça. Hein. Ça donne du relief et puis ça permet de moduler avec, bien sûr, en complexifiant. Mais là, on n'a que des triades, donc ça va être très très simple. Donc si, ré et sol. Donc, et on s'accompagne comme ça. 2, 3, 4. Ensuite, regardez bien, on va descendre là, juste le sol sur le sol bémol pour aller chercher ben, le sol majeur septième. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième, majeur septième octave. Puisqu'on le sait désormais qu'il est un demi-ton en dessous de la fondamentale, c'est-à-dire sol. Donc, et j'accompagne à la main gauche, bien sûr. Si jamais je vous disais que c'était trop difficile, bien que je n'ai pas des grandes mains, mais je les attrape quand même en doublant la basse, hein, bah vous faites qu'à une note, hein, plus grave. Selon le piano, parfois vous pouvez peut-être avoir qu'un petit 5 octaves, voire 4, que sais-je. Hein. Mais là, sur un 88 notes, bah, vous êtes beaucoup plus à l'aise, bien sûr. Donc, deuxième harmonie. Donc, premier sol, tout court, triade de sol, sol majeur septième. Il suffit simplement de descendre le sol sur le sol bémol. Ensuite, do majeur renversé. Je ne fais pas la gamme de do, voilà, pour rejoindre do à do, très simple. 1, 3, 5. Alors regardez bien, c'est simplement le renversement. Ici, premier renversement, on renverse la fondamentale en haut. Deuxième renversement, on renverse la tierce majeure. Et en renversant la quinte, ben on revient en position fondamentale, et on fait tout le clavier comme ça, en haut comme en bas, bien entendu. Donc 1, 3, 5, ici on va utiliser le deuxième renversement, c'est-à-dire le sol, la quinte d'abord, la fondamentale et la tierce, le do et le mi, voilà. 1, 2, 3, 4, et 1, et on va résoudre par ré. Alors, gamme de ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave, on va juste se servir de la triade, 1, 3, 5, et on va juste renverser la fondamentale, le ré, ici. Donc ça va nous faire sol bémol, la et ré. Et avec le ré, bien sûr. 2, 3, et au troisième temps, 1, 2, 3. Et là, on introduit. Donc ré, si, la. Et la nuit. On commence à chanter, c'est notre première harmonie. Alors je vais vous montrer de temps en temps où est la mélodie, mais. Comme j'ai hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vous montre la mélodie, je vous fais le guide, parce qu'il y a tellement de formules à faire, que j'ai préféré être extrêmement sobre. Je vous ai montré juste les accords, comme ça, que vous allez pouvoir jouer dans le temps et dans le rythme. Voilà. Et vous allez chanter dessus, comme ça sera vraiment très simple. D'accord? Donc, je récapitule notre introduction. 1, 2, 3, je l'accélère un peu. 1, donc 1, 2, 3, 4 et 1. 4, ensuite Do, 2, 3, 4, et alors 1, 2, 3, et 4, et donc Ré, et Ré, Si, La, et la nuit, donc pam, pam, wam, bam, bam, la nuit, alors on revient, la nuit, si ça vous amuse de jouer la mélodie, un peu de mélodie intérieure, vous le faites, hein. Vous voyez, on revient, la nuit. On est dans la gamme de sol, hein. Donc vous savez qu'il n'y a qu'une seule altération, elle est là. Hein. Donc, mais sinon, vous contentez de faire la triade, ça va très bien. Hein. La triade, position fondamentale, c'est-à-dire le sol, le si, le ré. La nuit, quand revient la nuit, sur le la nuit, hop, on passe en sol majeur septième. Il suffit simplement, vous voyez, là on était dans le renversé, là on est dans le fondamental, on vient chercher la majeure septième ici, voilà en bas. N'est-ce pas? Sans rien changer, bien entendu, la tierce majeure et la quinte, hein, c'est-à-dire le si et le ré. Hein. Donc la nuit, quand revient la nuit. Donc là, on est en voix de, bien sûr, de poitrine, hein, c'est-à-dire la plus basse. Hein. Tout seul, je m'ennuie. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la mélodie, je vous la montre, c'est tout. Hein. Tout seul, je m'ennuie.
Do majeur, le Do en majeur renversé, 1, 3, 5, on met la quinte en bas. Qu'on parte du bas, qu'on parte du haut, ça revient au même, hein. Vous voyez? Donc ici, Sol, Do et Mi. Je m'ennuie, et là, je pense à toi, Ré majeur. Le Ré que vous connaissez, c'est-à-dire Sol bémol, La, et Ré dans cette position-là. Alors, là, il y a une petite différence avec Bobby Vinton dans la version originale. Alors lui, déjà, d'entrée, il fait des vocalises. Alors que Johnny, non, il enchaîne tout de suite. Quand revient la nuit, donc vous pouvez recommencer. Ré, si, la. Donc on fait la première phrase, d'accord? Allez, on sort de l'intro. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. Comme Johnny, on n'en fait pas, mais si vous voulez en faire, d'accord. Quand revient la nuit, Sol, alors là, la lune qui brille, pareil, en fait, juste Sol, la lune qui, sur le qui, vous repassez du Sol au Sol majeur septième. Il vous suffit simplement d'abaisser le Sol sur la majeur septième, hein, la fondamentale. Brille, et là, tu la vois aussi, alors, si, do. Tu la vois aussi, Re, Do majeur, hein, Sol, Do, Mi, hein, mais trop loin de moi. Et alors là, on le fait donc c'est juste pour vous le montrer, hein, c'est l'octave, hein, la vocalise, hein, on va chercher l'octave. Hein, et là, on passe par la voix de tête, donc en voix de tête, la vocalise voix de tête, donc et bien, je suis un soldat. On sort de la voix de poitrine pour rentrer dans la voix de gorge. Voilà. Je suis un soldat, comme d'autres là-bas. Donc, Sol, quinte augmentée. Là-bas, comme d'autres là-bas, comme d'autres là-bas. D'accord? Donc, il suffit simplement 1, 2, 3, 4, 5, 4. On augmente la quinte du Ré, puisque là, c'est la sixte, n'est-ce pas? 7, majeur 7e octave. Donc, quinte augmentée, 5 quinte augmentée, Sol quinte augmentée, Sol, Si et Mi bémol, ou Ré dièse, comme vous voulez. Voilà. Donc, je refais le passage, d'accord? La voix aussi, sa voix aussi, mais trop loin de moi. Je suis un soldat. Alors, si vous voulez pas le faire, la mélodie, hein, vous faites je suis un soldat. Vous continuez sur le Ré, hein? Je suis un soldat, et sur soldat, sur le S de soldat, vous plaquez Sol. Débrouillez-vous que le temps va retomber sur vos pattes sur le sol. Comme d'autres là-bas. Donc là, on est bien en voix de gorge, hein, c'est-à-dire la voix intermédiaire entre la tête et la poitrine. Hein. Là-bas, et là, j'attends le jour. Donc dans la gamme de Sol, hein, j'attends le jour, et bien sûr, Do. Hein. On passe du mode majeur au mode mineur, c'est-à-dire, vous voyez, sur la tierce majeure, on la passe mineure, trois demi-tons au-dessus de la fondamentale, 1, 2, 3, voilà. Donc sur le renversement, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire du mi au mi bémol. Et on résout par Ré, donc Ré, Sol bémol, La et Ré, et bien sûr, quand on revient la nuit, donc Ré, Si, La, la nuit. Donc je recommence sur le pont, d'accord? Donc, tu la vois aussi, mais trop loin de moi, moi. Je suis un soldat, comme d'autres là-bas. J'attends le jour. Simplement. Et si ça vous convient pas, c'est-à-dire que vous voulez pas faire de mélodie à l'intérieur sur le temps, hein, eh bien, quand revient la nuit, vous voyez, vous continuez sur le temps, sur Ré, voilà, quand revient la nuit, sur, faut que vous soyez sur La, sur le La de la nuit, sur le Sol, la nuit, tout seul je m'ennuie.
reprend tout simplement. Tout seul, je m'ennuie. D'accord? Majeur septième, ré. Donc, la nuit, tout seul, je m'ennuie. Et là, ici, le temps. Bon, si, do, ré. Do majeur, renversé. Tan, tan, non. Fi, ré. Sur la quinte, fi, ni. La tierce majeure, fi. Sol, voilà, fin du premier couplet refrain, voilà, et on va monter d'un demi-ton, 2, 3 et 4, donc qui dit d'un demi-ton, regardez, c'est très simple, on va passer sur mi bémol intermédiaire, donc en guise d'harmonie intermédiaire, n'est-ce pas, voilà, de transition, voilà, sol, voilà, c'est un procédé très simple harmonique, hein. Donc sol, mi bémol, donc le mi bémol, donc gamme de mi bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va être les mêmes harmonies, sauf qu'on va être un demi-ton plus haut, voilà, au-dessus. Donc 1, 3, 5, donc je vais prendre la fondamentale, je vais la renverser, voilà. Donc on va le jouer à minima, comme la tonalité est plus difficile, donc sol, si bémol, mi bémol, voilà, d'accord. Donc, avec le mi bémol à la main gauche, donc 1, 2, 3, et là, pardon. Et là, bien sûr, bam, 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 et je vais, ça va être exactement la même chose, voyez-vous, je vais, un demi-ton dessus, je vais, n'est-ce pas, voilà, ou juste au-dessus, voilà, je vais. Alors, la bémol, plein, hein, voilà, donc la gamme de la bémol, on la voit ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave, donc on a 4 altérations. On n'en a pas 5, c'est déjà mieux. Hein. Donc, la majeure, voilà. La triade renversée, bien sûr. Toutes les triades se renversent. Bien. Alors, donc, voyons la transition encore. Hein. Donc, et là, je suis un soldat, comme d'autres là-bas. J'attends le jour. Qui verra mon retour quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Ici le temps n'ennuie pas. 2, 3 et 4 et là bam 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 bam. Si vous voulez pas faire la descente, donc regardez, quinte, quart, tierce, seconde, fondamentale, bam 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 bam. C'est deux noirs, c'est deux noirs, et au milieu il y a le do. Voilà, bam 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 bam. Et là, la bémol. D'accord? Voilà. Plein fer. Donc, vous voyez qu'on est monté simplement d'un demi-ton. Hein. Il n'y a rien d'extravagant. Hein. Je vais tout seul. Je vais tout seul pour cacher. Donc, on va descendre sur, bien sûr, le la bémol majeur septième. Voilà. Vous voyez, regardez. Position fondamentale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave, vous voyez. Donc là, on va aller le chercher en triade ici, voilà. On descend, on abaisse simplement le sol dièse sur le sol bécard, voilà. N'est-ce pas? Donc, je reprends. Je vais tout seul pour cacher, donc tout seul pour, si vous voulez faire do, do dièse, mi bémol, cacher. Le chagrin est là que j'ai. Alors là, on va prendre un ré bémol, voilà, puisqu'on jouait do avant. Voilà. Donc on va prendre ré bémol. Donc ré bémol, c'est la gamme de do dièse, c'est la même chose. Donc 1, 3, 5, et on va renverser le 1, la fondamentale. Voilà. C'est-à-dire fa, la bémol et ré bémol. Voilà. Voilà. D'être séparé dans la gamme, hein. D'être séparé, et on va reprendre mi bémol, renversé, 1, 3, 5, la fondamentale en haut, c'est-à-dire sol, si bémol, mi bémol, et là, bien sûr j'ai changé, pas obligé de faire la mélodie, je vous la montre juste, hein. Mi bémol, bien sûr, do, si bémol, bien sûr j'ai changé, voilà, et là vous jouez juste la bémol, oh oui, changé, la bémol majeur septième,
plus fort que, et là, ré bémol, je mets, voilà, donc toujours ré bémol, fa, la bémol et ré bémol, bien sûr, je veux t'aimer, donc toujours dans la gamme, donc je veux t'aimer, mi bémol, et, alors là, par contre, là, il le fait, et là, évidemment, nous, je suis un soldat. Là, on passe en voix, on était en voix de poitrine, bien sûr, on passe en voix de gorge, comme on l'a fait en sol. Hein. Je suis un soldat. Donc, vous voyez, c'est un demi-ton tout, un demi-ton au-dessus. Comme d'autres là-bas. Donc, la quinte augmentée, eh bien, on la descend ici. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, augmentée. Ça, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, octave 7e. Donc, la quinte augmentée, elle est là. Voilà. Donc ça nous fait la bémol, do et mi. Du mi au mi bémol au mi bécart. Voilà. Où est-ce que j'en suis, moi? Donc, bien sûr, j'ai changé. Ah oui, oh, changé. Qu'est-ce que je fais? Oh là, je sais plus où j'en suis. ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Je vais tout seul pour cacher, ça va nous faire une bonne révision. Le chagrin que j'ai, pardon, ré bémol, d'être séparé. Je le fais à vue, c'est pour ça. Bien sûr, j'ai changé. Oh oui, changé. Plus fort que jamais. Ré bémol, voilà, et là je veux t'aimer. Voilà, on était là. Je suis un soldat, donc do, mi bémol, re dièse, sa, do, si bémol. Je suis un soldat, comme d'autres là-bas, qui a laissé, donc ré bémol, voilà, et voilà, qui a laissé. Son amour à regret. Là, regardez, on passe du ré bémol, la tierce majeure, tierce mineure, comme on l'avait fait tout à l'heure pour le do. Voilà. Vous vous souvenez? Voilà. C'est-à-dire ici, voilà, en do mineur. Et bien là, c'est la même chose du mode majeur au mode mineur. Voilà. C'est-à-dire le fa devient un mi. Voilà. Vous voyez? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, demi-ton au-dessus. Et 1, 2, 3, 4, c'est la quinte majeure. Voilà. Donc, on passe du fa au mi, n'est-ce pas? Alors, à regret, on résout par mi bémol. Alors, Bobby Vinton, il en fait des A, mais là, nous, pas du tout. Donc, là, il chante pas du tout. Normalement, il y a des A, mais il le fait jamais. Donc, on va juste faire pas la nuit. Donc mi bémol, fin donc mi bémol, do, si bémol, la nuit, et sur le la nuit, la bémol. Bon, je vais reprendre, après on verra le final. Hein. La transition à partir de lorsque l'on arrive en la bémol. Donc sol, deux, trois transitions, mi bémol, et là, un, deux, trois, quatre. Alors au plus simple, hein. Allez, on va dire qu'on fait même pas de mélodie à l'intérieur, comme ça sera clair. 1, 2, 3, sol, mi bémol, 2, 3, 4, et là, je vais la bémol, tout seul pour cacher la bémol majeure septième, le chagrin que j'ai, ré bémol, d'être séparé, mi bémol, bien sûr j'ai changé la bémol. Oh oui, changer la bémol majeure septième, plus fort que jamais, ré bémol. Je veux t'aimer, mi bémol et je suis un soldat, la bémol, comme d'autres là-bas, la bémol quinte augmentée, qui a laissé, ré bémol, son amour à regret, ré bémol mineur. Et là vous faire bam bam bam.
ou alors la nuit, ou rien, 2, 3, 4, et vous faites la nuit. Et là, on arrive sur la péroraison, la fin, donc la bémol, quand revient la nuit. Et là, je ré bémol, et là, je ré bémol. Alors, sur l'autre, je ne l'ai pas renversé, mais là, finalement, je m'aperçois que c'est mieux quand même. J'aurais dû le faire. Donc, autant vous le proposer maintenant. Je ne l'avais pas. Alors, regardez, j'avais fait au jour de mon mais là, finalement, donc vous pouvez le faire là, c'est la position fondamentale. Au jour de. Donc, ré bémol, de mon mi bémol. Il suffit simplement, vous voyez, de se déplacer à l'écart. Retour, la bémol. Voilà, ensuite, mi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, c'est juste la fondamentale qu'on renverse. La bémol. Fa dièse, sol bémol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, juste la triade avec la tierce, la fondamentale, la tierce majeure et la quinte, donc sol bémol, si bémol, ré bémol, donc, et la bémol, vous pouvez remettre au-dessus, ou alors faire des choses, plein de choses, hein, comme vous voulez, hein, des arpèges. Alors, on va regarder aussi, le moment où je vous. Donc, la nuit, quand revient la nuit, et là, je rêve au jour. J'aurais dû faire ça, voilà. Mais bon, je ne vais pas tout recommencer. Hein. Donc, c'est très simple, regardez, c'est le la bémol renversé, c'est la quinte que je renverse en bas. De mon. Je sais pas, là, voilà, en français, ça s'y prête beaucoup mieux. La bémol renversée, hein, ré, mi bémol, pardon, hein, donc mi bémol, sol, si bémol, c'est le si bémol que je renverse. Donc c'est très simple, on suit le même écart, ré bémol, mi bémol, et là, tout, pardon, tout, la bémol, voilà, et là ensuite, donc très simple, hein. Voilà, donc j'ai la bémol, si et mi, tout, sol bémol. Vous pouvez en rajouter le fa dièse, sol bémol si vous voulez. Allez, je vous fais le dernier couplet, dernier refrain, pardon, puisque comme ça sera clair. Et je vais vous le proposer peut-être juste posé, c'est-à-dire sans vous mettre le tempo, comme ça. Je suis un soldat, je suis un soldat, comme d'autres là-bas, qui allait. Je vais refaire la chanson entièrement comme ça d'ailleurs, qui a laissé son amour à regret. La nuit, quand revient la nuit, je rêve au. La triade, hein, si vous voulez, hein, voilà, vous voyez juste les triades. Hein. Voilà, ça fonctionne aussi. Je vous refais toute la chanson juste en posant et vous mettrez le tempo, hein, le rythme. Hein, voilà, donc la nuit, quand revient la nuit, j'essaie de vous avez une belle vue du dessus. J'enlève le maximum de doigts pour que vous voyez bien. Tout seul, je m'ennuie. Je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Je suis un soldat, comme d'autres là-bas. J'attends le jour qui verra mon retour. Quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, ici le temps n'en finit pas. Je vais tout seul pour cacher
le chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr, j'ai changé, oh oui, changé, plus fort que jamais. Je veux t'aimer, je suis un soldat comme d'autres là-bas qui a laissé son amour à regret. Ah, la nuit, quand revient la nuit, je rêve au jour. Voilà, mes amis. Donc, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Et bien sûr, vous mettez le tempo. Hein. La nuit. Voilà, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. On revient la nuit. Donc, vous savez que d'abord, vous êtes en gamme de sol. Et après, vous êtes en montant en gamme de la bémol. Donc, il n'y a rien. Donc, je suis un soldat comme d'autres là-bas, comme d'autres là-bas. Si vous voulez vous amuser à faire l'introduction aussi, je vous avais montré ça comme ceci. Hein. Voilà, tout simplement, fondamental, tierce majeure, quinte. Et ensuite, vous descendez sur le sol majeur septième. Après plein de formules, hein, mais vous pouvez vous amuser au moins faire l'introduction comme ça. Donc, pam, pa, pa, pam, 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 bah, pardon, pam, pa, pa, pam. Ça peut faire un bon exercice. Et en position fondamentale, le ré. Voilà, mes amis. Bien, alors cette chanson, bien sûr, donc outre le fait que je vous ai dit que vous pourrez comparer, alors, parfois j'explique mieux, puis là elle est légèrement différente, donc de par nature, hein, je les joue un tout petit peu plus vite dans le guide, mais enfin, vous devriez pouvoir assembler le tout avec l'original, donc dont je rappelle qu'elle s'appelle Mr. Lonely, et elle n'est pas dans la même playlist, évidemment, puisque l'autre est dans la playlist des standards, et celle-ci sera dans la playlist des chansons intemporelles, parce que j'estime que c'est une chanson intemporelle, voilà, une chanson qui durera toujours, voilà, c'est une superbe mélodie. Donc voilà, je viens de parler des playlists, eh bien oui, c'est ce qui m'amène à vous en parler. Alors, si vous avez la curiosité précisément d'explorer tout le contenu de ma chaîne, ben, vous découvrirez ma passion pour la bossa nova, mais aussi pour plein d'autres styles de musique. Je suis très très éclectique, j'adore plein de choses. Et là, j'en fais pas, mais j'adore, j'ai une passion pour le baroque aussi. Mais c'est autre chose, il n'y a pas de piano-voix. Enfin, si, il y en aurait, mais à ce compte-là, c'est autre chose, c'est un autre concept. C'est plus pour débutants. Peut-être qu'un jour, j'y penserai, mais j'ai tant à faire avec ça que, ma foi, eh bien, j'essaie de fournir le contenu, voilà, qui puisse vous permettre, voilà, de faire un maximum de chansons pour vous amuser, car il ne s'agit toujours que de cela, bien entendu. Et donc, ma passion pour Michel Legrand aussi, donc Michel Legrand, très difficile, donc vérifiez bien toujours la qui transpose, c'est-à-dire la quête transposition, KT. Si elle est à zéro, ça veut dire que c'est neutre, c'est-à-dire qu'on joue dans la tonalité que je vous propose. Normalement, je vous le dis, mais vérifiez toujours dans la description. Parfois, j'ai eu recours pour précisément
essayer de vous donner le meilleur compromis entre des tonalités accessibles. Voilà, là, le problème de monter d'un demi-ton, c'est que forcément, on se retrouve toujours avec une tonalité. Voilà. Quoique en mi, si en mi, bon, c'était pas très difficile, 4 demi-tons. En fa, on retombait en montant d'un demi-ton ici sur une tonalité super facile. Simplement, le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop haute, c'est celle de Bobby Vinton, et je ne peux pas vous la proposer dans le guide, alors que là, au moins, bah, vous voyez de quoi il s'agit. Même si ce n'est pas parfait, ça n'a aucune importance, je ne suis pas là pour performer, mais pour vous, voilà, guider, voilà, comme on m'indique le guide. Donc, merci mes amis de votre attention, de votre partage de passion et de votre fidélité aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec cette superbe chanson. Voilà, car c'est mon seul luxe et unique luxe, je ne vous propose que des chansons que j'aime depuis toujours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et amusez-vous, amusez-vous. Voilà. Ce n'est qu'un jeu, tout cela. C'est très, très agréable, bien sûr. Et puis, c'est très personnel. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison. On a tous le droit, voilà, de se faire plaisir, voilà, de manière très honnête. Voilà. Allez, à bientôt, mes amis. Au revoir. Merci.